Le laboratoire Oxypharm est un laboratoire qui a été créé environ depuis 8 ans et qui est spécialisé dans la biodésinfection des surfaces par voie aérienne. Ça veut dire que nous sommes présents sur tous les secteurs habituels de l'hygiène, c'est-à-dire principalement médical, c'est historique, mais aussi dentaire, d'abord parce que nous sommes par ailleurs fabricants de fauteuils dentaires. Cette activité s'étend également au domaine vétérinaire et d'une façon générale, nous travaillons avec tous les acteurs du domaine de l'hygiène, c'est-à-dire des prestataires de services en particulier, ainsi que des distributeurs de matériel médical. Donc nous sommes très présents dans la blanchisserie hospitalière et la blanchisserie industrielle. Nous travaillons avec les principaux acteurs des blanchisseries industrielles et un certain nombre déjà de blanchisseries d'établissements hospitaliers. Nous travaillons autour principalement de la désinfection à l'aide du procédé NocoSpray, hein, qui est un procédé qui diffuse par voie aérienne, qui diffuse un produit qui s'appelle peroxyde d'hydrogène. L'originalité de cette diffusion, c'est qu'on va générer un gaz sec qui n'est pas donc attentatoire au support sur lequel ce gaz va être diffusé. Ça veut dire qu'on peut traiter de la même façon tous les supports électroniques que les supports tels que les murs, les plafonds, ouais, tout ce qui est l'environnement dans lequel on va générer ce gaz. C'est une originalité de notre technique, puis nous sommes la seule technique qui fabrique à partir d'un liquide un gaz. C'est une différence considérable vis-à-vis de d'autres techniques qui génèrent des aérosols, ça veut dire de l'humidité, c'est-à-dire des difficultés éventuelles sur les supports sensibles. L'autre aspect, c'est que nous sommes actifs sur le spectre complet des germes de l'environnement, c'est-à-dire bactéries, champignons, levures, virus, spores, bactériennes, avec donc une efficacité validée, bien évidemment, globale sur le spectre de ces germes. Le dernier point très très important qui nous différencie aussi avec beaucoup d'autres techniques, c'est que cette technique est totalement biodégradable. Il n'y a donc pas de résidus, il n'y a pas de composés organiques volatiles qui va se poser sur les surfaces. Et donc on peut reprendre possession de n'importe quel site traité à peu près environ après une heure ou deux heures selon le dosage que l'on va induire dans ce site traité. En ce qui concerne la blanchisserie, les blanchisseries s'en servent de deux façons principalement. Pour désinfecter leurs véhicules de transport, pour désinfecter les matériels servant au transport du linge, c'est-à-dire les armoires, c'est-à-dire les rolls, et aussi pour désinfecter leur site de travail, hein, puisque bien évidemment une blanchisserie est un vecteur et une concentration de germes très importante. Alors, il y a une autre application possible avec cette technique qui a beaucoup d'intérêt en ce moment. Au-delà de la désinfection dont je viens de vous parler, on peut aussi diffuser des produits insecticides et acaricides. C'est-à-dire que c'est un produit qui est efficace également sur les insectes volants, rampants et les acariens, dont la gale. Actuellement, il y a un gros problème de gale partout en France. Et donc nous avons plein d'utilisateurs dans ce domaine qui utilisent donc notre diffuseur pour dans ce type d'application, au-delà bien sûr de la désinfection des locaux.